Défragmenter le fichier vidéo. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Bon, voilà. Ça, c'est le parti pris du truc, hein. C'est que si tu incarnes les autres personnages, c'est que Batou, il l'a dit, il est mort. Blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher? Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. C'est moi qui vais t'achever. Fait.
T'es nommé héritier. Avec le puits de Lazare, on aurait survécu même à ça. Contrairement à toi, je n'ai pas peur de mourir. Je préfère garder mon humanité. Tu seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Préparer du mieux que j'ai pu. Vous avez tout donné. Je regrette qu'on en soit là. De Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD.
Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et c'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami. Un mentor. Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous, je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question, si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce, tel qu'il était vraiment. Ah, stylé! Ça faisait une chauve-souris. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Comment va Alfred ? Ben, à ton avis. Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il savait qu'aucun de nous n'était là, pas vrai ? Et toi alors ? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Changer de personnage. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. D'accord. Si seulement il savait. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Ra's al Ghul est inscrit en tant qu'anonyme. Prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait ? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. C'est bizarre ça. Si tu veux t'introduire un jeu où tu contrôles le travelling, ça peut être gerbant très vite. Hein. J'ai déchiffré le dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Ra's al Ghul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. J'essaie de suivre la personne qui parle. Susceptible de bouleverser tout forcément très, très facile. Regardez, je suis toujours en retard. On n'est pas à Redwood, il est où Redwood ? J'ai repéré quelques endroits à fouiller. Des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langstrom. Vous le connaissez ? Il est zoologiste à l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches.
On se retrouve au beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. Qui veut parler à Langstrom ? Ah ouais, d'accord, c'était vraiment une question concernant qui veut parler à Langstrom. Et genre, je choisis le personnage que je vais jouer. Bah, ok. Un peu long l'intro. Ouais, l'intro, elle était un peu longue. Ça fait... C'est en vrai, c'est bizarre de voir ça aujourd'hui. Ça fait un peu rétro. Alors, vous allez pas me comprendre, mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, ces intros longues et en précalculé, hein, c'est des trucs qu'on voit plus beaucoup maintenant. Là, des trucs de 10 minutes qui t'expliquent un petit peu. Maintenant, on essaye de te mettre directement dans l'action. Mais là, ouais, ça faisait bizarre de poser ma manette et d'être comme ça. Mais voilà, ça va, c'était cool. C'était cool. Mais je comprends du coup pourquoi les mecs, ils ont pas assumé. Ils ont dit, ouais, non, mais en fait, cette aventure, elle compte pas. Hein. C'est un autre univers que les Batman Arkham. Hein. Ça compte pas. Parce que je pense qu'ils se sont dit, ouais, non, on va pas tuer Batman. Et il y a peut-être des jeux qu'on pourra faire aussi avec. Donc ça serait dommage de le buter. Ça doit être pour ça. Et du coup, c'est un peu décevant. Parce que ces quatre personnages-là, donc Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood, il les a rencontrés, Batman, dans les Batman Arkham. Et c'est des personnages qui étaient déjà totalement introduits. Et ça aurait pu justifier qu'on soit dans le même univers. Mais non. C'est pas canonique. Je trouve que, quelque part, c'est un peu une déception. Bon, j'espère, par contre, je vais retrouver les... je vais prendre qui ? Je vais prendre Batgirl, tiens. Je vais retrouver les mêmes sensations qu'avec les Batman Arkham. Ça a pas l'air si moche ! Or, je sais qu'il y avait des problèmes, notamment. J'ai entendu parler de... D'un jeu en 30 images par seconde. Apparemment, c'est même pas très bien réglé, tout ça. On va voir ça. Mais visuellement, par contre, ça va, c'est pas désagréable, quoi. Après, c'est pas le vrai jeu de Rocksteady, enfin, c'est pas le vrai jeu de la suite de Batman Arkham, hein. Voilà, c'est pas Rocksteady qui l'a développé, et Rocksteady, il bosse sur quoi, déjà Suicide Squad. Et donc, il faut vraiment prendre ce truc-là comme... comme un entremets, un petit goûter en attendant. C'est dommage qu'il n'y ait pas 60 images par seconde. Ouais, vraiment. Bon, on va voir si c'est gênant ou pas, parce que parfois c'est pas gênant. Hein. Qu'est-ce qu'on sait sur ce professeur ? Alors. Se déplacer, regarder. Ouais, ça va, je sais me servir de mes joysticks, merci. Les chips, son putain de déguisement. Je sais pas, y'a que moi qui trouve qu'elle l'a bricolé. Regarde, même les gants, on dirait des gants de motard. Grimper. Ah ouais, grimper. Alors, maintenir, grimper. D'accord, ok. Le parcours, ça se passe comme... ça. On maintient. En fait, j'ai pas joué depuis très longtemps en Batman Arkham, et je pense que le gameplay, il a dû bien changer. Ok, ça m'aurait probablement pas beaucoup aidé. On va voir pendant les combats comment ça se tient, cette histoire. Pour sauter de l'autre côté. Elle va venir pour sauter de l'autre côté. Alors du coup, elle saute toute seule. Ok. Elle saute toute seule. Ouais. Tu as juste à maintenir. Si tu maintiens pas, évidemment, elle va se vautrer. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc tout ce que tu fais, c'est maintenir la touche. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre. En général, ça fait des... ça fait des petits mouvements plutôt jolis, plutôt impressionnants, alors que toi, tout ce que tu fais, c'est maintenir une touche. Alors, on a réussi à identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la mort. Il y a déjà, moi, cette histoire de multi-personnages qui me gêne un petit peu. Alors, c'est cool, hein. Mais je me demande comment ça va se jouer, tout ça. Alors apparemment, chaque personnage a ses propres forces et faiblesses. Là, notamment, j'ai pris Batman parce que c'est celle qui se rapprocherait le plus apparemment de Batman, c'est-à-dire c'est du gameplay de Batman, c'est-à-dire un peu discrète. Quoique, Batman, je crois que c'était un petit peu un mélange de tous. Voilà, il était un peu bourrin par moment, mais un peu discret quand il fallait. Ah, du coup, attends. Appuyer, Sirelin, quand le viseur apparaît pour utiliser le grappin. Mais il apparaît où ? Ah, d'accord.
l'instant, on est un petit peu dans la phase tuto, donc je pense que je peux pas le faire où je veux. Pour utiliser le grappin. Ah, d'accord, il y a un balcon là-bas. Allez, hop. La terrasse du troisième est ouverte. Non, ça va, ça joue bien ce petit bousin là, quand même, hein, pour l'instant. Vous voyez quelque chose, ça va ? On va voir s'il y a des fans de Batman ici. Vous savez qui c'est ? Kirk Langstrom. Évidemment. En fait, je sais plus du tout. Je sais pas si je l'ai su à un moment ou pas. Mais ça fait tellement longtemps. Notamment, par exemple, ce Batman-là, enfin, ce Gotham Knights, il se base sur la cour d'Hibou, qui est une des aventures les plus appréciées. Je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps, je m'en souviens plus. Mais je m'en souviens absolument plus. Voilà son bureau. Ah, d'accord. Non, ça va, c'est pas désagréable. Hein. Ça fait plaisir de voir ça sur Next Gen, en tout cas, parce que moi, je suis sur PS5. On va voir si au niveau du rendu, notamment la manette, c'est quelque chose de bien. En tout cas, elle est très réactive. Langstrom a dû être tué ailleurs. Alors, Langstrom, il aimait bien les pizzas. Il était un peu dégueulasse, parce qu'il les pose juste comme ça sur son bureau. Pour activer le RA, vers le bas. Maintenez pour utiliser le ciblage RA. Pour viser avec le réticule. D'accord. Et je scanne les objets en surbrillance, c'est-à-dire les objets en surbrillance. Ah, regardez. Ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est un truc qui fait très, très Batman Arkham, avec ses yeux qui sont teintés, là. Ah, justement, il y a un hibou là-bas. C'est plutôt une chouette, en fait. Ouais, non, c'est une chouette. Ouais, bah... Maintenez, c'est bien, je maintiens la bonne touche, je vois rien moi. Et tu veux que je regarde quoi, copine ? Moi je vois rien. Mais... Je suis con ou j'ai pas compris ? C'est bien dans le bureau qu'il fallait faire ça. Ah putain, par terre ! Ah, les rayures! Ces traces ont l'air récentes. Ah ouais, non, mais c'était discret! Il y a des traces, ouais. Il y a un truc qui a été traîné. Ça fait très cartoon, son déguisement. On est d'accord! On est d'accord. C'est très... le Batman de 1966, hein. Oh, un peu mieux quand même, hein. On sent qu'il y a des efforts, quand même. Sur les matières, sur le rendu des matières. Ok, alors, on va suivre ça. Tu trouves quelque chose, Batgirl ? Rien de mon côté. Et ça, j'aurais pu le faire avec n'importe quel personnage. Je me demande ce que ça aurait pu changer, quoi. C'est ça qui m'intrigue un peu. Enfin, non, pas vraiment, mais on a une piste. Le vrai défi va être de sortir d'ici sans que la police me voie. Bonne chance. C'est un vrai carnage. C'est un vrai carnage. Ah ouais, d'accord, okay, il s'est passé des trucs. C'est quoi ça par terre là ? Est-ce que c'est une lampe ? C'est une lampe. D'accord, ok. Donc il va falloir regarder ce qui se passe là-bas. Je sais pas si ça sert à quelque chose de... D'être un peu curieux, je crois pas. Allez voir ce qui se passe là, alors. C'est ici qu'a dû mourir Langstrom. Je pense que quelqu'un est mort ici, je sais pas. J'ai pas besoin d'être un super détective pour voir qu'il s'est passé quelque chose. Ah oui, d'accord. Ouais, oh, putain, mais c'est... Langstrom, il était comme une grosse brute. En train de bosser quand on l'a attaqué. Il a perdu beaucoup de sang. Il y a des traces de lutte. Il est dans le tout premier épisode de la série animée, Langstrom. Et c'est qui, en fait, du coup ? Langstrom était mourant. Mais il a tenté d'atteindre ce meuble plutôt que la porte. Ah, il y avait peut-être quelque chose dans le meuble, alors, si en étant en train de crever, il préfère y aller. Est-ce que je peux aller voir, moi, ou pas, ou... Non, j'utilise mon... Ah, il y a un truc dessous. Un mécanisme caché. Il y a un passage derrière le meuble. Qu'est-ce que vous cachiez, Dr. Langstrom ? Attends, ça va où ? Ouais, il était en train de bosser ici. On l'a attaqué, il s'est traîné. Bah, tu parles de la série animée... la bonne vieille série animée, je dirais, des années 90, qui était une vraie tuerie avec le bon générique, là. Ce que, ouais, il y en a eu plein, et il y en a beaucoup. C'était quand même... C'était un peu...
un peu à chier quand même. Mais alors, celle-ci dont je parle, la bonne vieille série, d'accord. Ouais, c'était vraiment une petite pépite. Ils les ont sortis il n'y a pas très longtemps en coffret Blu-ray, là. J'ai hésité, j'aurais dû les acheter. Enquêter. Et moi, c'était ma première incursion avec l'univers de Batman, cette série en plus. Examen des scènes de crime. Examiner la scène de crime, chercher des preuves et découvrir la vérité. Ouais. C'est... On est dans les... Ah mais d'accord, c'est bizarre, c'est rigolo d'avoir fait ça. On est dans les... vous savez, les jeux sur téléphone portable. Sauras-tu résoudre le crime ? Résoudre marqué RA. Bon, le RA ne sert à rien ici. Mais... marqué. Résoudre. Quand le ridicule il est petit, je fais quoi ? Un numéro de téléphone. Ah d'accord, oh, ça se fait automatiquement en fait. Le numéro de téléphone, c'est pas l'indicatif de Gotham, ça peut être utile. Sur un post-it audio du carnet, il y a un numéro de téléphone en Amérique du Nord. Le code régional 127 est souligné. Les codes régionaux d'Amérique du Nord n'ont pourtant pas le droit de commencer par un 1. Un poster de film dans un labo ? La date de sortie est peut-être importante. 4 novembre 92. Langstrom voulait se souvenir de ces dates. Ah oh putain, mais il y a des chiffres partout là qu'il a mis en valeur. Il est chiant, Langstrom. Et là, il y a un cadran évidemment. C'est quoi celui-là ? Ah oui, là aussi, il y a une tablette. Les rendez-vous et les dates butoirs de Langstrom s'accumulaient. On dirait qu'il a fait un code à 4 chiffres pour la tablette. Un micro-ondes ? Micro-ondes ? J'espère que Langstrom combinait pas des burritos avec des échantillons génétiques. Oh, un vieux micro-ondes. Le clavier a été modifié avec des pièces informatiques. On retrouve généralement pas sur ce genre d'appareil. 3 chiffres. Et pourquoi je retourne en haut, je vais me chercher la pizza qu'il avait laissée sur le bureau, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu l'intégrale en Blu-ray que j'ai eu pour 25 balles. Bah moi c'est là, c'est l'offre que j'ai ratée. Je crois qu'aujourd'hui ça a bien augmenté et bon bah tant pis. Hein. Mais je pense que ouais j'aurais pris plaisir à tous me la regarder. C'est une grosse. En fait c'est une série même. Enfin, dans mon esprit, moi, il y avait la chier d'épisodes, quoi. Alors, là, ici, il y a 4 chiffres. 6 chiffres, pardon. 4, 11, 92. C'est peut-être le... Ouais, c'est celui-là. Ah, j'associe. C'est ça ? Ah, d'accord ! Je relis les trucs ! Là, il y a 4 chiffres, donc c'est la tablette. Ah non, résoudre, ça se fait à la fin. Ah, putain, merde. J'ai appuyé sur résoudre, ouais, ça se fait à la fin. Alors, d'abord, ça. Celui-là. Là, il y a combien ? 127. Voilà. Mais non. Il y a 4 chiffres, il a dit, ça peut pas être ça. J'annule. Là, il y a 3 chiffres pour le four à micro-ondes. Et là, il veut plus. Ça veut dire qu'il considère que c'est pas ça ? Je sais pas, ça me paraissait logique. Alors, 3 chiffres. Là, 3 chiffres, c'est l'indicatif. Il y avait 3 chiffres. Là, c'est cadran, et là, c'est ça. Et pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas, là ? 4 chiffres. Il y a un autre... Il y a rien d'autre ? Et là, si je fais résoudre. Passer à la solution. Quoi, je peux passer en fait, je peux passer l'étape, mais ça me saoule parce que ça a l'air trop simple. Genre, ça. Trois chiffres, c'est celui-là. Mais il refuse en fait mon code pour la tablette. Celui-là, c'est. Là, c'est un thermostat, j'avais pas vu que c'était un thermostat. J'ai vu le digicode, je comprenais pas pourquoi.
Et non, ça peut pas être ça. Voilà. Et là, il en veut pas. Dire que pour le code de ça, je l'ai pas, moi. Vraiment, t'es sûr? Attends, peut-être qu'il faut que je le réanalyse à nouveau. Le 20 et 21 octobre sont entourés. Pourquoi tu en veux pas? Et là, si je fais résoudre, ça marchera pas. Il me manque des pièces, là. Attends, les trucs que j'ai choisis, ils sont plus sélectionnés. Là, il y a 6 chiffres. Comme les chiffres qui sont là. Si je fais résoudre, là. Non. Je suis obligé de tout, voilà, de tout faire. Ah, mais là, ça marche plus. Ça marche plus de nouveau. Attends. Je quitte. Je recommence. On n'est pas limité dans les possibilités quand même. On peut. Voilà. Non, là, il veut plus. Bah, c'est forcément ça. Le mot de passe est. Et là, si je fais comme ça et comme ça, je fais résoudre. Parfait. Ah d'accord, fallait les faire à part en fait. Mais c'était mal fait parce que j'avais l'impression que je me trompais. Enfin, je sais pas si vous avez eu cette impression, mais quand j'ai vu l'effet au début, je me suis dit bah non, faut enchaîner, enfin aligner les trois combinaisons ensemble là où il faut quoi. Bon bah ok. Il y a un truc en bas. Ah, c'est. En vrai, c'est pas moche du tout. Hein. C'est pas moche du tout. Ça fait vraiment plaisir de voir ça sur. Langstrom. Sur le console. J'ai vraiment très envie de voir ce qu'ils vont faire avec Suicide Squad. Ah, il y a des. C'est quoi ça? Ah putain. Le mec, il a fait des head crab mais avec des grandes pattes. Des grosses araignées dégueulasses. Ah mais pas que. Ce cher professeur avait un paquet de squelettes dans le placard. Ah, il n'y avait pas que des squelettes, hein. Ça a l'air tout à fait frais, là, tout ça. Et une autre araignée de merde. Ok. Spécimen divers, expérience variée dans différents. Mais attends, en fait, je peux tout regarder comme ça avec ma RA. Qu'est-ce que c'est que ce liquide? D'araignée de mer. C'est peut-être ce qui lui a permis de transformer cette chose. Ouais, d'accord, ok. Donc moi, j'avais vu ça comme un monstre, mais en fait, apparemment, c'était un requin tout à fait banal. Hein. Je devrais y jeter un œil. Alors, le travail de Langstorm. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Échantillons de tissu, des composants organiques prélevés sur divers animaux. Des échantillons semblent provenir en majorité des créatures présentes dans le laboratoire de Langstrom. Certaines notes mentionnent aussi des tissus adipeux de dauphins, des cellules. Oh putain. Épithéliales de Tenrec et de la salive de orang-outan. Mais qu'est-ce que tu fais avec de la salive de orang-outan? On peut faire avec de la salive de orang-outan. Là, il y a du sang. Ouais, je sais pas. Un truc comme ça, ouais. Eh, mais Langstrom, en fait, c'est bien que ce soit mort, je crois. Bonjour, toi. De quoi? Ah, c'est ça que t'as vu? C'est ça qui t'intéresse? Un disque dur. Je vais l'apporter au beffroi et on va découvrir vos petits secrets. Ah, tu veux pas te connecter? Tu veux pas essayer de... Non, d'accord, je me casse. Eh, je suis en chemin. Les flics ont loupé une tonne d'indices. Ok. Des traces bizarres sur les murs. Tu m'étonnes que les flics... ils ont vu un micro-ondes, ils se sont dit, bah, c'est un micro-ondes. Ils ont pas essayé de s'en servir. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. Et il y avait des bestioles aussi dans les cages, là. Il y a rien, maintenant? Bon, là, il y a plus rien. J'ai oublié. Ah, comme ça. Ah, ça me saoule de devoir maintenir le bouton à chaque fois.
Je suis déjà venu ici, moi, ou pas? Non, je suis pas venu, moi, ici. Ouais, de temps en temps, il y a le framerate qui tout saute un petit peu. J'ai ça fait un peu peur parce que pour l'instant, il se passe rien, quoi. Je sais pas si ça se ressent, je pense que vous voyez pas. Oh, les vandales. Ah, bah c'est cool, on va avoir du combat. Je vais leur apprendre à être mal sapé. Ouais. Gotham, c'est quand même pas la ville la plus sûre. L'extrême droite, il doit être haut là-bas, Gotham. Attaque au corps à corps. Alors, appuyer pour effectuer, maintenir pour effectuer les attaques corps à corps lourdes. Ou esquiver, d'accord. Hop. Alors, lourd, c'est ça. Et pas. Et là, je peux maintenir. Bim. Ok. C'est un peu bizarre. C'est... Ah, elle a un tonfa pour se battre. C'est un peu bizarre, ça fait pas... Comme les Arkham. Gotham doit savoir. Pourquoi pas, hein, mais. Ils ont. Ah, ouais, d'accord, les flics se sont fait avoir. Pourquoi pas, mais c'était un système de combat, les Arkham, qui étaient. Vachement opti, en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir changé. Alors, tu peux m'accroupir et prendre le paria par surprise. Ah, d'accord. Élimination en embuscade. Il est en train de foutre de l'essence. Espèce de sagouin! Ah, stylé! Je dois absolument maîtriser ces types avant que ça dégénère. Et c'est fait. Alors, elle est où sa copine? Il y en avait une dernière. Elle fait des sciences. Je suis sûr qu'elle a regardé les vidéos de Fred et Jamie. Hey, regardez-moi, c'est Pyroman. Vous me reconnaissez? Et élimination silencieuse, du coup, ça fait quoi? Ah, d'accord. Ok, c'est la même chose, sauf que c'est moins impressionnant. Ah, je préfère l'élimination un peu plus douloureuse, moi, perso. Pour révéler la position des ennemis. D'accord. Ok. Et donc là, je les vois tous. Regardez, j'ai un bagarreur des parias. Ah, ils ont un nom, hein. C'est comme les Pokémon. Et il y a celui-là. Ah putain, mais il faut bien les regarder pour ajouter la petite flèche au-dessus d'eux, là. Quoi qu'il y a en bleu, là-bas? Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire des éliminations d'ici? Ça serait bien. Ouais. Mais j'en ai eu deux. Il s'énerve après quoi, lui? Qu'est-ce que tu fais, copain? On casse tout. La maman, elle m'a laissé sortir. Bon, allez, viens là, toi. Vous faites pas repérer. Ah, merde, bah, c'est trop tard. Tiens. Ah, sympa, le petit finish. Il s'est fait tout seul, hein. Il s'est fait tout seul, lui. Entrez dans... Wolfolk Hall, ok. Il doit y avoir encore du monde là-dedans. Alors, Jamie, aujourd'hui, nous allons parler du feu. Attention, ça brûle. Voilà le camion. Ah, il crame les tableaux. Comme les activistes, là, qui mettent de la soupe dessus. Pour effectuer des attaques à distance. Effectuer des attaques à distance lourde. Alors, ça, c'est attaque... Voilà, attaque lourde à distance. Elle est probablement lourde, mais moins puissante, on va dire. Ouais. Et là, bim, bim, voilà. Là, on voit des batarangs, en fait. D'accord. Ok. Ça ne va pas du tout. Le bâtiment va partir en flammes. Ah, ben, je pense que... Il y a des chances, hein. Très, très perspicace, hein. C'est bon, Batman a pu crever tranquille. Les otages.
Ah, il y a des étages. Mais c'est protégé, en un sens, très affûté de l'observation, apparemment. Bon, alors. Est-ce que... Voilà, je voulais juste grimper sur la barrière histoire de prendre une pause méga classe. On va essayer de... Je sais pas ce que je peux faire, en fait, là, pour en élimination... On va faire des éliminations multiples. Les otages, ils sont là. Ça va être compliqué de faire en sorte... De faire en sorte de... D'en éliminer plusieurs la fois et d'être silencieux, quoi. Attends, c'est qui le mieux? Il y en a pas un qui est un peu isolé, là? Qui est pas au regard des autres? Peut-être lui, là-bas. Je peux grimper, là? Non, je peux pas grimper là-dessus. Ah, c'est en feu. Tu m'étonnes. Ouais. Il y en a un qui est en train de me repérer, mais il m'a pas vu, hein, pour l'instant. Voilà, allez, hop. Oh, stylé! Ah, ils ont tous eu peur, et du coup... Ouais, ok, d'accord, ok. Bon, j'ai été vers celui-là, parce qu'il était c'était le plus proche des otages. Non, c'est... Ouais, y a pas le système... De parade des Batman Arkham, où quand il y a un ennemi qui t'attaque dans le dos, bah, bim, t'appuies sur une touche pour parer son attaque ou l'esquiver, et après, toi, tu tapes par derrière, quoi. Vous êtes incroyable. Ah, je sais que je suis incroyable. Merci de me l'avoir dit. Oh! Il a pris une armoire, il s'en est fait un bouclier. Cassé. Il a un petit poids dans la tête, lui. C'est Mais c'est Moana. On va voir si tu casses aussi. Bon, il est un peu plus casse-couille, celui-là, je pense. Alors, est-ce que j'ai des petits conseils, là, pour m'aider un peu? Regardez, il a un logo interdit Batman, là, sur son bouclier. Les attaques au corps à corps lourdes et les capacités de brise-garde peuvent percer les défenses de vos ennemis et les rendre vulnérables. Maintenir... Ah bah c'est les attaques lourdes. Ouais, je sais faire. Ah d'accord, ok. Ah ouais d'accord, alors là en fait c'est juste un gros putain de sac à PV. Mais vas-y, attaque! Pour les Alors, par contre, les attaques à distance, ça m'a l'air totalement à chier. Donc, je vais peut-être pas utiliser ça. En tout cas, avec Batgirl, hein. Si ça se trouve, avec d'autres personnages, c'est bien, mais là. J'ai hâte de rentrer et de décrypter ce disque dur. Ah, c'est bon. La cavalerie arrive! Poupée, plus marcher! Cassé! Ok, bah boudinet. Bah oui, ah, ça dépend la version que t'as vue. Hein. Pour moi, c'est Moana toujours. Ah non, mais toi, tu parlais du nom du mec. Non, mais moi, je parlais du nom du film, quoi. Indique un endroit. Non, bah ok, ça j'ai vu. On essaiera de prendre un personnage différent à la prochaine mission, pour voir. J'ai l'impression qu'elle, c'est beaucoup plus infiltration. Redwood, alors je sais pas, hein. Ça se trouve, j'ai très mal jugé, hein. Mais ça m'a l'air d'être une putain de brute, et je pense que lui, l'infiltration, il sait pas faire. Ça, c'est déroutant. Non, je suis rassuré de les savoir dans le quartier. Hein? Je sais pas si vous l'avez vu, un enterrement de Bruce Wayne, mais à un moment, tu le vois sans sa tenue. Le mec, il a la gueule du gars qui te cassait les couilles à la classe, tu sais. Voilà, c'est le mec qui réfléchit pas trop. Alors, oui, la Bat-Cycle. Appelez la Bat-Cycle.
Ouais, gros bourrin qui pampant. Oui. Et vu sa carrure, en même temps... Ça, c'est... On dirait les... On dirait un peu la moto dans Death Stranding. GPS bat permet de voir l'itinéraire. D'accord. Donc ouais, il y a un itinéraire qui se dessine tout seul. S'éjecter. L1 s'éjecter. D'accord. Et je peux appeler la bat, le bat cycle quand je veux. Ah merde, je suis trompé de touche. C'est quoi ça? Mode photo. Chaussure une emote. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est censé être un jeu qui se joue à deux en fait. Toute l'aventure, tu peux la faire à deux. Ah, elle vient pas parce qu'elle est juste à côté. Donc ouais, il y a des emotes. Freiner, déraper. Tac à distance. Ah d'accord, ok, on peut faire ça. Roue arrière. Il a quand même marqué changer de direction. Éviter de combattre les agents du SCPD sur les adversaires coriaces. Ah d'accord, ça sert à rien de les combattre. Ils sont juste casse-couilles. C'est juste... Ok, bon bah... D'accord. Alors, j'essaie de regarder un petit peu aussi, de faire une petite visite guidée là. Ah putain, par contre. Ah, c'est chiant ça, je peux pas aller où je veux. Alors, c'est peut-être juste pour l'introduction. Alors, par contre, je vous avoue que pour une moto, le truc. Aïe! T'es sur du transpalette, hein. C'est un peu compliqué. Ah putain, ouais, c'est pas. C'est pas très fluide par moment. Je suis pas sûr que ça se voit, mais il y a un boost ou pas? Accélérer, il n'y a pas de boost, je crois. Ah, la roue arrière, c'est pour franchir les obstacles. Tiens, lui, là, regardez, c'est un obstacle, ça. Ah, je l'ai raté. Ah, tu peux rester en roue arrière comme un gros kiki. D'accord. Bien, je croyais que c'était un mec. Et c'est la même Gotham que dans Arkham Knight. Je crois, alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, mais je crois reconnaître un petit peu le monde ouvert du jeu qu'on avait, quoi. Ouais, c'est framerate un peu compliqué, hein, je vous avoue. C'est peut-être ça mon tort, c'est que j'aurais dû relancer une petite partie de Arkham Knight, histoire de me remettre dans le truc. Tant pis. Allez, on va regarder ça. Désolé, j'avais pas vu. C'est étonnant qu'on ait des écrans comme ça alors que ça sert à rien. Du labo de Langstrom. Est-ce qu'on a une piste sur ce qui a tué Langstrom? Oh, mais vous avez vu la carrure du machin à côté? Ne fonctionne pas, ou qu'on ne peut pas examiner le corps. Alors qu'à côté, t'as Robin. Il fait la même taille que Batgirl, quoi. Et probablement qui pèse moins lourd. Quand on aura toutes les données. On pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira.
bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon, eh ben, comme on est obligé d'attendre, on a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Ah, merde! Ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. Oh! J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir. Alfred! Ah, quel beau gosse. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan, alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. Nightwing, on dirait Pattinson. Il a un peu la même coupe, ouais, c'est vrai. Nouvelle entrée dans la base de données. Je fais un truc, là. Ah, je joue toujours... pendant un moment, j'ai cru que j'allais qu'on allait m'imposer Robin. Lui aussi, c'est un peu la foirefouille, son costume. Hein, je suis désolé, mais... Il a la bonne pose, mais le reste... Autant j'adore l'univers de Batman, autant Robin, j'ai jamais compris. Hein. D'ailleurs, si je me trompe pas, en fait... Ouais, les... Tous, là... Ben, Nightwing et Red Hood, ben, c'est d'anciens Robin, finalement, en fait. Apparemment, t'es obligé de passer par là, tu vois, par le costume moche, pour avoir quelque chose de beaucoup plus classe après. Hein. C'est un peu la victime du groupe, lui, là, en vert et rouge, là. Putain, mais lui, il est là, genre, je vais taper un truc, j'en peux plus. je serais Alfred à côté, je me méfierais un peu. Il va se prendre un coup, là, sans aucune raison. Et je peux lui parler, en fait. Il faudra un moment pour décrypter ce disque. Du nouveau, sur le chantier? Négatif. Il a été fermé à l'arrache, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, rien ne le lie à ce fameux Langstrom. Oh, si seulement Bruce avait pu nous dire sur quoi il travaillait. Cette affaire... Ouais, voilà, le premier Robin, c'est Nightwing, et le deuxième, c'est Red Hood. Là, on a des... En tout cas, pour Red Hood, c'est les éléments de... Même je pense qu'on peut le dire. C'est vieux, on peut spoiler quand même un petit peu. Ça fait partie de l'intrigue de Arkham Knight. C'est plutôt bien résumé, d'ailleurs, hein, les Arkham Knight. Je serai là pour t'épauler à chaque étape. Oh, merci, Dick. On va y arriver. Il s'appelle Dick. Tous ensemble. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici, alors? Avec le bat, je sais pas quoi. Ah, d'accord, il y a un arbre de compétences. Point de capacité. Le fait de passer votre personnage au niveau supérieur lui confère des points qui peuvent être utilisés pour apprendre de nouvelles capacités. Le fait de dépenser des points débloque également de nouvelles capacités. Et du coup, là, c'est uniquement pour Batgirl. Ah ouais! Et se dire qu'il y a quatre arbres de compétences, en fait. Capacité élan? C'est quoi les capacités élan? Alors, celle-ci, je l'ai, c'est quoi? Batgirl effectue une esquive parfaite. Ouais. Ça, je peux pas non connecter. Ouais, mais je peux l'avoir. Ça demande un point. J'en ai combien? J'ai un point. Augmente les dégâts critiques de Batgirl de 20%. La plupart des attaques ennemies ne peuvent pas interrompre la raclée. On va faire celui-là. Ah, je peux pas?
Non connecté. Bon, je sais pas. Alors, faut que j'ai celui-là. Ah, d'accord. Il fallait que j'ai l'esquive parfaite. Je pensais que j'avais déjà débloqué. Batgirl effectue une esquive parfaitement synchronisée qui génère de l'élan et permet d'enchaîner avec une attaque parfaite. Mais c'est quoi une attaque parfaite? Ah, et maintenant j'ai la capacité d'élan. Alors que vous continuez votre enquête, chaque héros peut débloquer des capacités d'élan uniques. Vous venez de débloquer votre première capacité d'élan. Les dernières sont uniques à chaque personnage et nécessitent de l'élan. Mais pourquoi ce mot? Pour être activé. Lorsqu'une capacité d'élan est prête, son icône en bas à droite de l'écran change. Pour utiliser une capacité élan, maintenez R1. Touche à touche assignée. Bah, j'ai rien à faire en fait. Et il y a une espèce de, je sais pas, de rage. Une série d'attaques rapides contre un ennemi. Oui, c'est ça, c'est une sorte de rage, ça se recharge. D'accord. Bon, c'est aussi un peu bizarre de voir ça dans un Batman, mais pourquoi pas. Mais non. Mais moi, je voulais, voilà, explorer ça. Carte. Voir un peu, si. Oui, non, mais si, c'est... Après, c'est Gotham, hein. Je pense que... Ils sont obligés de respecter un petit peu... la ville telle qu'elle a été designée il y a très longtemps, mais oui, voilà, Cobblepot style, il y a l'air d'avoir des nouveaux trucs par contre, mais c'est un petit peu la carte que je connais de Arkham Knight. Dossier, le disque de Langstrom, quitté le beffroi et patrouillé dans Gotham City, Kirk Langstrom. Ah ouais, d'accord, je dois quitter pour poursuivre l'enquête. Défi. Entraînement basique. Ouais, on va pas faire ça, hein. Tenue. Ah ouais, ça par contre c'est cool. Parce que dans les... bah justement, dans les Batman Arkham, il y avait tout un tas de tenues, mais c'est un truc de fou tellement il y en avait. Et si là on peut avoir un petit peu la même chose, ça serait cool. Alors par contre, ça donne des stats différentes. Alors que... Dans les Batman Arkham, c'était totalement esthétique. Alors, attends. Fabrication. Je peux fabriquer des tenues corps à corps, à distance. Je ne sais pas trop ce que c'est, des plans, des modes. Oh, il y a plein de trucs en vrai. Tenue actuelle. Une sur 13. Pour ce personnage-là uniquement. Donc, c'est pas mal du tout. Le masque. Ah ouais. Symbole. C'est cool, ça, un peu, quand même. Bah tiens, on va rendre ça un peu moins moche. Voilà, on va faire quelque chose de symbole. Il est... Palette. Ah ouais, il y a... Ah d'accord. Ah ouais, mais c'est plutôt bien customisable tout ça. Hein. Si tu t'y intéresses un petit peu, il y aura forcément... Une tenue différente d'un autre joueur. Eh ouais, d'accord. Nouveau garde. Les tenues de transfiguration ne peuvent pas être personnalisées. Mais je l'ai pas, celle-ci, ici. Je l'ai? Ah ouais, je l'ai appliquée. Pourquoi je l'ai, d'ailleurs? Celle-ci, elle est verrouillée. Que j'ai pas rentré de code, ni rien du tout. Hein. Putain, elle est stylée. Alors, autant tu commences avec une tenue de cosplay. Autant, par contre, tu peux débloquer des trucs cool. Hein. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, elles sont déjà... Bah débloquer, oh, terrible. Elles sont déjà débloquées, enfin elles sont pas débloquées, mais tu peux les voir, quoi. Corsair, oh là là, c'est beau. Métal. Oh, je vais m'éclater avec ça, moi. Ergo, qu'on dirait un petit peu un Spider-Man. Avec sa queue de cheval, là, mais... Ok, d'accord. Je vais garder la tenue, voilà, la tenue actuelle. Capacité, bon, ça on y a vu. Capacité d'élan, base de données... Ok, donc là, je dois me casser. Je peux pas changer de personnage? Comment je fais pour changer? Ouais, multijoueur. Alors, multijoueur n'est pas encore débloqué. Hein. On va peut-être jouer un petit moment, quand même. Histoire d'en découvrir un maximum. Putain, mais par contre, vu comme ça, on dirait les oreilles de Pikachu. Je suis désolé.
J'avais pas vu. Pika, pika. Alors, avec le bout noir. Bon. On va patrouiller. C'est carnaval, mais oui. Bah, Eddie Hardick. Toi aussi, tu sais. Alors, ok. Crime opportuniste. Appuyez sur la RA pour afficher des crimes opportunistes à proximité. D'accord. Un petit peu à la Spider-Man, tiens, d'ailleurs. Alors, je sais pas, il y avait peut-être ça dans Batman aussi, je m'en souviens plus. Donc là, il y a un crime opportuniste. Mais du coup... Mais je peux voler ou pas? C'est ça qui m'inquiète. Allez, hein, j'ai Rolimo. Ah putain, je peux pas. Ah oui, mais remarquez, regardez cette cape de merde qu'elle a. Tu m'étonnes qu'elle peut pas voler. Ah par contre, voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Allez, attaque aérienne. Ouh. Ah par contre, il est pas mort. On tacle pas les voitures, espèce de sagouin. Oh, elle a un flingue. Indices, les criminels vaincus laissent parfois des indices récupérés suffisamment pour révéler des crimes prémédités qui surviendront lors de votre prochaine patrouille. Mais, ouais, attends, quoi? Qui? Quel indice? Avec le RA? Bagarreur de la mafia? Ah, ça là? Petite biche. Oh, regardez, on va faire un petit tour en bas, tiens. On voit qu'il y a des badauds et tout. Quoi, ça? Ah, c'est un citoyen? Il y a une drôle de gueule, c'est quoi, là, que je vois? Donc, ouais, je l'ai dit, on va pouvoir se laisser, je sais pas... peut-être 2 heures, peut-être un peu plus, hein, pour bien découvrir le bousin. Ah ouais, les citoyens sont contents, ils me parlent et tout. En vrai, le rendu de la ville, globalement, c'est plutôt joli, hein. Après, bon, bah voilà, c'est Gotham. Gotham, c'est un peu la Bretagne, hein, c'est un peu simple. Je veux dire, t'as l'impression qu'il pleut tout le temps. T'as toujours la chaussée qui est un peu mouillée, donc t'as des réflexions, t'as des lumières partout, c'est tape à l'œil, mais ça marche, hein, pour moi en tout cas. Toi ici, oh, tu dois y aller. Ouais. Les vapeurs d'égout, les fameuses vapeurs d'égout, qu'est-ce qu'on ferait sans les vapeurs d'égout? Alors... À 104 mètres, il y a quelque chose. On n'a pas besoin d'autres justiciers. Je peux pas leur péter la gueule, j'imagine. C'est moi la justice. Alors, par contre, ouais, voilà, comme c'est un citoyen, les attaques sont pas ciblées. Alors, t'es sûr qu'on n'a pas besoin d'autres justiciers? Vous avez rien vu, vous? Ils attendaient le bus, mais finalement, ils vont rentrer à pied. Bon, on est au début, en fait. Donc, forcément, j'ai pas tout débloqué. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour me déplacer, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai toujours la moto, bien sûr, hein, mais... Oh, y'a... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un gars qui se met à traquer. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que t'as toujours la possibilité d'enchaîner avec un saut... Après avoir utilisé ton grappin. Hop, et puis t'as des points d'accroche un peu partout. Donc là-dessus, vas-y, c'est cool. Attaque. Attaque aérienne, ouais, mais je peux pas faire une attaque fatale, quoi. Enfin, je veux dire qu'il se relève pas. Bon, bah, allez, hein. Et si, attends, j'ai... Voilà, ça, c'est le truc que j'ai débloqué. C'est l'attaque d'élan. Elle est même pas si terrible que ça, en fait. Tu casses les couilles, toi, avec tes cocktails Molotov, là. Allez! J'ai récupéré quoi là? Ah, c'est de l'expérience? Des petites orbes rouges là? Attends.
Et je... Ah oui, voilà, tu récupères des trucs. J'avais pas vu ça. Ici Beffroi, heureux d'annoncer que nous sommes pleinement opérationnels. Cependant, avant de rentrer... Il est où le mec? On a un truc à faire? Ah, il s'est barré sans me remercier, mais franchement... La structure du laboratoire de Langstrom requiert une clé de biodécryptage. Biodécryptage? En fait, c'est juste un truc pour l'instant qui me gêne un petit peu. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est le début, voilà, faut bien que tu vois tes capacités augmenter et qu'elles deviennent vraiment utiles avec le temps. Si t'as un personnage OP tout de suite, bon bah voilà, c'est un peu de la merde. Mais c'est le système de parade qu'on a dans les Batman Arkham, qui pourtant fait partie des bases, bah pour l'instant il y est pas. Après, je sais pas, il y est peut-être pas du tout. Non mais c'est cool. Regarde, tu peux vraiment te balancer un peu partout. Alors là, je me balade un peu à la Spider-Man. Hein. C'est vraiment Spider-Man ce que je suis en train de faire. J'aimerais bien, si je peux récupérer ma moto. Voilà, c'est bon. Ils sont si heureux de l'avoir, c'est si touchant. Oui, heureusement que t'es là pour les protéger, pour les aider. Tout va bien. Quoi? Pourquoi ça s'arrête là? Parce quelque chose là? Rendez-vous au point de ralliement du GCPD. Bah, ils vont me péter la gueule eux s'ils me voient là. Ça a pas l'air d'être de mes potes hein, les GCPD. Je dis qu'il a quand même bien envie de me péter la gueule. Hein. Oh oui. Oh, ils ont dit qu'en plus ça rapporte pas de l'expérience, donc ce que je fais, ça sert à rien. Alors je peux même pas me servir pour l'instant de par exemple mon grappin sur les ennemis. Hein. Vas-y, je me casse. Ah ouais, ça c'est cool comme elle apparaît la moto. Par contre j'ai... Ouais, je sais pas, je comprends pas. Quoi? Vous attendez quoi de moi? Voilà, il y a le... L'itinéraire qui apparaît. Non mais ça veut dire que je dois aller là-dedans, c'est ça? Ah mais là... Ça doit être ça. Je vous avoue, j'ai pas trop compris ce que... J'ai pas trop suivi ce qu'a dit tout à l'heure Alfred. Une nuit bien remplie. Et là, il y a un bonus si je me fais pas repérer. Un bonus d'expérience, probablement. Alors, je dois rentrer au GCPD. Hop. Là-bas, il n'y a personne sur les toits. Personne qui vient prendre sa petite pause clope. Ah, elle s'est mise toute seule en mode fufu, en mode infiltration. Ah putain, je vois plus où je dois aller. Rendez-vous à la porte arrière des locaux du GCPD. Ouais. Ça va, je peux tomber un petit peu. Alors, est-ce que ça consomme beaucoup le GCPD? Quoi ça là-bas? Putain, il y a une tour là-bas, je sais pas ce que c'est ça. Porte arrière du GCPD, sa mère, c'est quoi? Ah, c'est celle-ci? Si, c'est ça, voilà. Bon, bah, ça a l'air tranquille. Je pense que personne m'a vu. Par contre, j'ai quand même pris un peu cher. J'ai plus tellement de vie, là, en fait. Alors, je peux me soigner, ouais, voilà, il l'avait dit. On a des kits de soins. Ça, c'est quoi? Choisir une emote.
Ça, c'est le... voiture, d'accord, ok. La porte est coincée. Ah, c'est con, ça. Ah, c'est con, parce que... ça pourrait permettre à quelqu'un de... de s'y faufiler, par exemple. Dommage. Quelqu'un là-dedans ou pas, là? En même temps, tu rentres ici comme dans un moulin, hein. Il n'y avait personne devant la porte à l'extérieur. Là, il n'y a personne ici. Appuyez sur un dernier moment pour réaliser une esquive parfaite. Ouais, il va falloir que je maîtrise un peu ça. Parce que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus du système d'esquive, justement, de, des Batman Arkham. C'est ça que j'aimerais retrouver, moi. Je me souviens quand je pouvais entrer par la grande porte. Bon, où est la morgue, mais oui, déjà putain, c'est vrai. Parce que du coup, Batgirl, c'est la fille de Jim Gordon. Alors, Jim Gordon qui est mort, là, comme Batman. Du coup, son père. Regardez-le, lui. Il regarde le match, ce trou de balle. On peut regarder un peu les... je sais pas, on voit 2-3 caméras, mais non, il n'y a rien d'intéressant, je crois. Oh, attends, j'ai fait quoi, là? Ah, d'accord, non, j'ai juste couru. Et si tu t'accroupis en courant, bah voilà, tu fais une petite glissade. Oui, Barbara, bah voilà, c'est Barbara Gordon. Je suis arrivé chez Thibaut InShape. Il doit y avoir un autre passage. Je sais plus quoi faire, je suis bloqué. Ah, voilà ce qui m'a l'air d'être un autre passage. Ok. Mais alors, pour ceux-là qui n'ont pas trop suivi, par exemple, Barbara Gordon, il n'y a pas eu un moment, l'épisode dans sa vie où elle était en fauteuil roulant? Et c'était aussi l'oracle, justement. Il s'est passé quoi entre-temps? Enfin, guérison miraculeuse ou comment ça se passe? Mais le corps de Monsieur X, un grand type assez bizarre. Un grand type assez bizarre, Monsieur X. Ah, mais oui, c'est le... Merde. C'est Ra's al Ghul. La morgue est bien pleine avec ce scientifique. Ah, si on veut se rincer l'œil, c'est ici qu'il faut être. T'as éteint ta caméra juste devant Montoya. C'est pas bien. Elle était fidèle à Gordon. Des gens comme ça, on peut pas leur faire. Ah, Montoya, elle est digne de confiance. Et là, c'est celle qui succède à Jim Gordon. Ok. Catherine Kane. Et des mecs sont... Regardez comment il a affalé, lui. Baguerreur. Ah, mais c'est un... Ah, d'accord, c'est le mec en interrogatoire. Ok, d'accord. Oui, c'est une guérison miraculeuse, c'est bien ça. D'accord, ok. Ok, bon, on se pose pas de questions, c'est pas grave. Un jour, elle s'est levée, elle s'est dit, mais en fait, ça va? Elle, par contre, elle veut plus se mettre en discretos, là. Je vois rien, là. J'entends rien, surtout. Attends, je dois aller où? Ah, là. Trouver un moyen d'atteindre les cellules. J'ai un étudiant. Ah, ils sont pas bien gras, hein. T'auras encore faim après ça. Vas-y, passe par là, toi. Casse pas les couilles. Hop là, ouais, ok. Ah, ça va, on peut...
on peut faire un petit peu d'infiltration, même pour les noobs comme moi qui ont toujours du mal avec l'infiltration. Généralement, j'ai... Oh, regardez la vieille lampe! Pour appeler Batman. Généralement, j'ai beaucoup de... J'essaye, tu vois, mais il y a toujours un moment où on me découvre. Le bat-signal, voilà, la vieille lampe. Mais qu'est-ce que je suis mauvais, moi! J'essaye vraiment de faire le mec qui s'y connaît, mais en fait... ma couverture, elle est vite réduite à rien, quoi. C'est quoi, ça? Examinez. On dirait que le chat est en... Diamant volé par Catwoman. Eh, mais attends, mais on est arrivé dans la pièce des easter eggs, c'est ça? Diamant volé par Catwoman. Céline Kyle, note de rapport, plusieurs kilos de diamants volés. Ouais, et ça, c'est quoi? Ah, mais là, c'est le mannequin du ventriloque, voilà. On n'a pas eu dans les jeux vidéo, il n'y a pas eu le ventriloque encore, je crois. Il me semble pas qu'on l'a vu. Après, il y a tellement d'ennemis dans Batman. Ah, le masque de Ra's al Ghul. J'espère que c'est costume la de cérémonie. Fois qu'on verra Ra's al Ghul. Ouais. Examiner. Attends, et si je l'examine, ça donne quoi? Qu'est-ce que je donnerais pas pour revoir ce signal dans le ciel? Ah, ils l'ont rangé. Bah, c'est rigolo, mais les flics sont pas du tout de ton côté, apparemment. Oh, des coffres pour trouver diverses récompenses. C'est des loot box. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je sais pas ce que j'ai gagné. Il y a des... Je sais pas. Des trucs pour crafter, je crois. La morgue est juste de l'autre côté des bureaux. Alors, caméras de surveillance peuvent avertir les ennemis proches de votre emplacement, déclencher des renforts ou activer d'autres mesures de sécurité. Et avec le RA, je peux trouver un panneau pour les désactiver. D'accord, je peux c'est bon, j'ai lu, tu me gênes un peu. Mais non. Vire. Bah, le didacticiel, il est là, et il s'est installé, il est bien là. Alors c'est peut-être ça? C'est ce machin bleu? Ah non, c'est un coffre. Ah, les coffres, on les voit. Il n'y a pas de caméra ici, je peux y aller. Ah, par contre, ça, je suis pas sûr que ça me plaise, hein. Le coup des boîtes à ouvrir un peu partout. Ah, c'est, je sais pas. Pas très... Alors, vas-y. Oh, dossier d'antécédent, Red Hood. Bad Girl, d'accord. Oh, ouais, mais moi je cherche le machin pour désactiver les caméras. Alors, il y en a une qui est là, juste en dessous. Je peux pas la désactiver comme ça, non. Alors, il y a des trucs bleus, ça doit être en bas, non? Là-bas, c'est le coffre que j'ai ouvert. Peut-être que j'ai pas besoin de le désactiver pour l'instant. Putain, il faut faire la poussière par contre, les mecs, hein, c'est dégueulasse ici. J'aurais bien été lire les fichiers, mais je vais me faire gauler, c'est sûr. Et j'aurais pu le bonus de pas me faire repérer, donc je vais éviter, hein. Et on va juste, sagement, aller à mon objectif. C'est quoi ici? Attends, mais c'est pas là où je veux aller, en fait. Comment je fais? Alors, il faut que je fasse gaffe, il y a une caméra en bas là. Ah d'accord, ok. Mais eux, ils vont me voir ou pas? Là, je peux pas passer par... Il n'y a rien pour me suspendre. Ah attends. Bim, c'est bon là. Ah parfait, parfait, parfait. Fermé, bien sûr. Ah fermé. Quelqu'un doit avoir une clé. Le sergent en service peut-être.
D'accord, ok. On là où il y a des trucs ou pas. C'est un peu sombre par moment, hein. Je sais pas si vous voyez bien quelque chose, non. Avec tout ça, c'est chiant, j'aurais pas pu... tester un autre personnage. Je vais essayer, hein. Il faut que je teste un autre personnage, mais... J'aurais voulu que ce soit plus tôt. C'est quoi, c'est une plaque pour Gordon? Love you, Dad. Barbara. Mais Jim Gordon, il est mort, elle avait 6 ans. Elle a écrit à plein de couleurs avec... Je sais pas, on est peut-être dans... Parce que là, c'est bizarre quand même. Je pensais qu'il était mort... elle était adulte, quoi. Ok, bon, ouais, ok, c'est pour Jim Gordon, donc. Alors, là, il y a une caméra... Elle est ouf. C'est quoi ça? C'est pour les caméras désactivées. C'est bon. Ça les désactive toutes? C'est temporaire? Alors là, on va juste. J'aurais dû. Voilà, on va faire en sorte de. Voilà, je vais. Je vais cibler tous les flics. Comme ça, je me laisserai pas surprendre. Ça a l'air pas mal là. J'aurais dû le faire quand j'étais en haut. Bon. Prise, émission, émission silencieuse. Bah, et silencieuse, évidemment, hein. Il est marqué un truc genre prise. Oh putain, merde! Ah! Dégage! C'est bon. Alors, tu me l'es, mon gros bâton. Ok, il en reste un petit dernier. Enfin, j'espère que c'est le dernier. Après, du coup, on s'intéressera un petit peu au dossier, là. Allez, dégage! Bouge! Pour l'instant, j'ai toujours mon bonus, hein. Je me suis pas fait repérer. Il n'y en a plus dans la... Il n'y en a plus. Je pense qu'il n'y en a plus. Donc alors, attends, c'était un des flics qui a les clés, c'est ça? Non? Peut-être sur un bureau. Ah là, il y a quelque chose. Alors. Ils sont pas mal en tout cas. Rapport sur l'activité du justicier Red Hood. Le criminel connu sous le nom de Red Hood est le suspect principal dans l'exécution de plusieurs autres criminels. Ah ouais, c'est une grosse brute. Inspectrice Romy Chandler. Ouais, d'accord. Ok, on s'en fout. Je vais peut-être lire tous les fichiers, mais là, tout de suite, c'est pas ce qui m'intéresse. Mon bâton est plus gros que le tien. Il peut rentrer dans des orifices, tu sais. Trouvé. Ah, c'est bon, je l'ai. C'était ça qu'il fallait. Il y a d'autres trucs à lire? Attends, il y a celui-là, là? Non? Mon dossier. Ça aurait pas suffi avec un Gordon aux manettes. La justicière connue sous le nom de Batgirl a montré un style de combat fluide sur les vidéos de surveillance. Et selon les témoins oculaires, cela suggère un possible passé de danseuse. Ah, par contre, le fait qu'elle était en fauteuil roulant, ça, vous l'avez pas vu, hein. Ah. Ah là là. Et dire que ces gens-là sont payés avec nos impôts. Il doit y en avoir un pour Robin et... Et pour Nightwing. Nightwing a écrit ça lui-même ou pas? Là, j'ai hâte de lire celui de Nightwing. De Robin, pardon. Un style d'habillage un peu particulier. Le dossier de Robin. Il croit et lié à Batman dans d'innombrables cas. Non, non, okay. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, c'est tout. J'y retourne. Hop. Et voilà. Mais vraiment, je suis très curieux de savoir ce qui se serait passé si justement j'avais pris Red Hood. Dis là, j'avais pris un gros bourrin. Ah, et récompense bonus 82 XP. Eh oui. Du coup, on est arrivé à la morgue, c'est bon. Et j'ai réussi sans me faire gauler. L'équipe de la il y a déjà quelqu'un qui est passé là. Pourquoi s'en prendre à eux spécifiquement? Ils sont morts. Sans connaissance. Ah, ils sont pas morts. Lui aussi là.
Technicien de laboratoire. Elle a vraiment les oreilles de Pikachu. Hein. Ah, vraiment, je suis très très curieux de savoir ce qui se serait passé si j'avais pas pris Batgirl. Là, genre, les petites animations et tout ça, elles auraient changé. Ça représente du taf, hein, quand même, si c'est le cas. Langstrom. Je pense que la légiste devait être en pleine autopsie. Ah, c'est lui, Langstrom. Enfin, Langstrom. Merde, j'ai coupé la chic à Alfred, ou je sais pas qui m'a parlé, désolé. R1... utiliser l'échantillon requis. Alors, là, c'est quoi ? L'échantillon d'urine. Alors, beaucoup d'urée dans ces urines ? Un échantillon d'urine prélevé sur le corps de Langstrom pour les analyses biochimiques. Dans une là, vie, c'est quoi ? J'étais médecin légiste. Échantillon de tissu mou. On peut en savoir beaucoup sur une personne. Fiel de sang. Tu veux que je fasse quoi avec ça ? Portefeuille. Un portefeuille usé rempli de reçus et de cartes de fidélité pour les fast food. C'est mal payé, hein, médecin légiste, apparemment. Clé d'authentification de MMO. Une clé d'authentification en édition limitée pour un jeu de rôle massivement multijoueur. Un Meporg, très populaire. Les applications d'authentification ont rendu ces dispositifs fausement obsolètes. Tu joues à World of Warcraft ? Téléphone de Langstrom. Touche tactile, la plupart des téléphones modernes possèdent... Ouais. Il parle pas de diabète dans le dossier de Langstrom. Qu'est-ce qu'il ferait d'un lecteur de glycémie ? Ce truc sert un lecteur de glycémie, un oxymètre de pouls. Ce truc, t'as dit quoi ? Ce truc sert à quoi ? Se fixe sur un doigt pour mesurer la pression sanguine et le taux d'oxygène transporté par les globules rouges. D'accord. Un oxymètre de pouls. Ah mais oui, c'est le truc que mettent certains streamers pour qu'on voit leur rythme cardiaque là. Le corps de Langstrom, il semble que Langstrom soit mort lentement et dans la douleur, des contusions et des hématomes crâniens, plusieurs plaies à larmes blanches sur les bras et les jambes, certaines plaies le transpercent de part en part, ce qui a permis de l'accrocher au mur. Il y a également des coups au couteau précis au niveau du torse et de la tête, dont au moins un qui a provoqué la mort. Ta gueule, Alfred, un peu! Alors, du coup... Ben ouais, mais tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je résoudre quoi, là ? Une maladie alors. Cardiaque, des allergies... J'ai... Ah, une pince ! Outil de légiste ! On dirait qu'aucun examen approfondi n'a été fait. Ça, je peux pas le prendre, par exemple. Ah, ça, je peux pas. Le R1, là, ça sert à rien. Et ça, je peux ? Ah oui, là, je peux. Là, je peux marquer. Alors, genre le... C'est quoi ça ? Bracelet médical ? Ah, j'avais pas vu. Selon les informations sur le bracelet, il y avait un problème cardiaque, une allergie aux fruits de mer. Bien qu'un employé de...
de l'université de Gotham et indiqué le diabète comme problème de santé connu chez Langstrom, cette maladie ne figure pas sur le bracelet médical du scientifique. Il est possible qu'il ait menti. Et ça, c'est quoi? Vêtements ensanglantés. Et je peux pas les prendre non plus, enfin les sélectionner. Et les lunettes de vue, ouais, bon, ok. Et le dossier, tiens. Pas mal de soucis de santé, mais c'est marrant comme... comme partie. Bah, du coup, on revient vraiment au détective, quoi. Pourquoi pas, hein. Alors. Je dirais que... Non, avec les authentifications MMO, je vois pas ce que je peux en faire, en vrai. Il y a une prise USB cachée dans le fond du lecteur de glycémie. L'appareil semble avoir été modifié. Attends. Je peux scanner divers objets en fait pour avoir des informations supplémentaires. Là par exemple, bien qu'un employé de l'université de Canada m'ait indiqué le diabète, d'accord. Mais je dois être dessus ou pas? Non, je crois pas. Hein. J'ai pas besoin d'être particulièrement sur l'objet pour que ça fasse ses analyses approfondies. Et si je le fais sur lui? Non, il n'y a que deux objets qui ont révélé quelque chose de nouveau. Une clé USB? Et ça, c'est une clé USB? Bah, hop. Non! Ça! Et ça? Et ça? Pourquoi ça veut pas? Tout à l'heure ça fonctionnait de faire comme ça? Là, elle veut pas en marquer plusieurs à la fois. Ah. Parce qu'en fait, je dois les marquer avec ça. D'accord. Ouais, ok. Alors, j'ai une fiole de sang, un échantillon de pisse. Et des tissus mous. Le lecteur de glycémie avec le sang? Je sais pas, hein. C'est bon. Il a bidouillé le lecteur de glycémie pour cacher des données. Et son sang permet de les décrypter. Oh, le petit génie. Oh, ouais. J'ai froid. Le GCPD vient de comprendre que Talia était là. Je dois filer. Ah d'accord, ok. C'est tout ce que je devais faire ici. Attention, ils envoient pas d'étendre. Merde. Ils envoient des mecs. Les systèmes du GCPD. Et maintenant, c'est quoi ça? Examiner. Nuit, le GCPD. Je sais. Il est temps de filer en Catherine Kane, j'ai reçu des pétitions de la part de plusieurs agents concernant le récent affermissement de notre position quant aux justiciers costumés de Gotham. Ah ouais, voilà, il y a des flics qui sont pas d'accord. Ils les aiment bien, les collants. Ben je sais pas hein, pour l'instant, je sais pas, vous en pensez quoi vous d'ailleurs là? Pour ceux qui surtout sont habitués à Batman Arkham. Ça vous plaît là ce que vous voyez ou pas? Parce que là je sais pas trop quoi en penser. Ça me plaît bien, mais alors déjà, faut pas. Ce serait peut-être injuste de comparer ça au Batman Arkham. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau. Comment je fais pour me casser d'ici? C'est pas la même dynamique, quoi. On est sur vraiment un autre jeu, là. On est sur une infiltration un peu plus basique. Tandis que Batman Arkham avait quand même. Non, mais non. Avec quand même un style qui leur appartenait bien à eux, quoi. Alors, ah, on est dans les vestiaires. La voie est libre. Merci pour l'aide. Je me suis barré, ils ont rien vu du tout. Ah, on est revenu chez Thibaut InShape. Ok, ouais, je me casse. On court. Ça va, c'est pas mal. Mais on va voir avec un autre personnage que ça donne. J'ai hâte de tester avec soit Nightwing, soit Red Hood. En fait, Nightwing, ça doit être intéressant. C'est celui qui doit plus se rapprocher d'un Batman, quoi. Terminer les objectifs bonus pour obtenir des récompenses supplémentaires. Hop, salut les mecs! Oups! Putain, mais par contre, c'est... Ça tourne pas, cette merde, là! Bien sûr.
Retourner au beffroi. Eh ben ouais, on va faire ça. Et attends, et là du coup je peux sauter. C'est la petite entrée secrète. Ok. Hop. Entrer dans le beffroi. D'accord. Ouais, on va voir si on peut changer de personnage. J'aimerais bien changer là. Je trouve ça étonnant que pour l'instant, à aucun moment, on m'a dit bah non, tu dois prendre celui-là. Alors, zéro crime déjoué. Mais je découvre! Deux objectifs bonus terminés et un citoyen sauvé. C'est pas mal. Non, c'est ma première mission, les mecs. Voyons. Mais regardez la gueule des redoutes derrière, quoi. Des recherches sur la surdité. C'est pas... Les visages sont pas moches du tout. Hein. On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Alors Langstrom faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Le système holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Ça tombe à pic, Alfred. Hé, j'avais oublié que t'avais un super matos. C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du beffroi comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langstrom, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... notre casseuse d'ambiance. Talia Al Ghul. Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Ra's al Ghul. Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Eh bien... Batman... irait poser la question à Talia en personne. Il a 14 ans, hein, Robin. Ouais, je pourrais encore analyser le kunai de Talia pour trouver quelques traces à pister. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langstrom. Cool. On va briser des crânes. Putain, mais... J'ai aussi un peu envie de jouer Red Hood, je vous avoue, pour voir comment ça se passe. J'aimerais briser des crânes. Il y a du nouveau sur le tableau d'épreuve. Et là, bah ouais, mais voilà, de nouveau, on met au contrôle de Batgirl. Je ne sais pas comment Talia a pu faire ça au corps de son père. Bon débarras. Les puits de Lazare, c'est l'enfer. Qui sait ce qu'il serait devenu en subissant... C'est là qu'on voit que... Alors, tu crois que... Bah, il cherche quand même à se... Elle avait un truc à se différencier des Batman Arkham, c'est que... sa miséricorde. Barra, elle était présente, elle a pas du tout cette gueule, quoi. C'est vraiment pas les mêmes personnages. Moi, au début, je pensais vraiment que tout ça, là, ça s'incrustait dans le même univers. Vous voyez ça comme une sorte de pseudo-suite. Bonsoir, c'est dommage qu'il n'y a pas de sensation de vitesse avec les motos. En même temps, ils sont déjà un petit peu incontrôlables. Ça aurait été plus rapide, ça aurait été chiant. Alors, examinez le tableau d'épreuve. Alors, le tableau d'épreuve récapitule les informations découvertes pendant votre enquête. La section des pistes contient des informations les plus importantes pour votre prochaine étape. Mettez l'épreuve en surbrillance pour obtenir des informations sur les phases suivantes de votre enquête. Bah, c'est tout ce qu'on a fait jusque-là, non? Ah non, ouvrir les défis. Je pensais que j'allais rassembler des trucs. C'est quoi ça? Nous avons rencontré Talia à la morgue. Ah oui, c'est le poignard qu'elle a utilisé pour buter son père. Ouais, pareil, mais je peux... Ah là, il y a un défi. Leeds. Previous Intel. Priority Intel. Leeds. Nous n'avons qu'une piste sur le meurtrier du docteur Landstrom. Et là, il y a des... Ça, c'est des quêtes. C'est des défis. C'est des quêtes secondaires, je pense, du coup. J'aurais bien envie de tester.
Alors là, je les ai pas. Je peux pas la sélectionner. Je pense que ça se fait automatiquement dès que je sors du beffroi. Capacité. Ouais. C'est dommage aussi que ça tout saute un petit peu de temps en temps. Tu le sens, le framerate. Ah, j'ai quitté le. Docteur Langstrom était mêlé. J'ai quitté l'écran là et la direct. C'est pas très fluide quoi. Comment je change de personnage? Ils m'ont pas appris ça. C'est pas possible. Genre, j'ai choisi Bad Girl et maintenant je fais avec. C'est quoi ça? Attends, quoi? Comment j'ai fait ça? Un truc, je sais même pas comment. Ah, d'accord. La dernière affaire de Batman. Science bizarre. D'accord, il y a des quêtes ici, paria. Fois 2. Capacité d'élan. Il paraît que Montoya a envoyé. Éliminer 5 bulldozers des parias pour débloquer une nouvelle capacité d'élan. Ah, c'est comme ça que ça se débloque. Entraînement basique. Fabrication. Non. Parce qu'elle avait fabriqué une tenue avec le style éternel, tenue métal, noir néon, corsaire. C'est des missions en fait, du coup, aussi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu bricoles? Cache bien son jeu, Alfred, hein. Il sait faire des trucs quand même. Il sait se servir d'un tournevis. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je crois entendre Bruce m'appeler à l'aide. Et puis, je me souviens. J'ai cru que l'un d'entre vous venait de m'appeler. Je m'inquiétais. On ne se refait pas, n'est-ce pas? Je comprends. Attendre que les appels arrivent, c'était le plus dur. Il a quand même un putain de collier Batman, ou du coup Batgirl, du coup, autour du cou. Hein. C'est un peu gris. Ça devait être chiant quand tu vas à l'épicerie, que tu vois ça, quoi. C'est un peu grillé que c'est elle. Mais Bruce avait raison. Gotham a besoin de nous. Et je serai là pour vous soutenir. Gotham est entre de bonnes mains. Mais du coup, avec tout ça, comment je change de personnage? Chevalier. Gotham a besoin de nouveaux gardiens. Terminer les défis du chevalier pour débloquer de nouvelles capacités pour chaque héros, y compris son déplacement héroïque spécifique. Utiliser l'établi. Alors ça, c'est pour la fabrication. Ouais. Tenue. La fabrication, récupérer des plans et des ressources pour fabriquer les meilleures tenues et armes. Corps à corps. C'est quoi, corps à corps? Ah, je peux fabriquer un autre tonfa. C'est celui que j'ai là, non? Ah non, c'est niveau 2, je peux l'améliorer en fait. C'est le tonfa basique que je peux améliorer. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Et à distance. Ouais, d'accord, là j'en ai pas. J'ai pas non plus de tenue. Alors, et j'ai augmenté la puissance de 10. Ah, il a changé de gueule aussi un petit peu, hein. Ah oui, il y a un... Vous le voyez, hein? Vous voyez pas? Il y a des niveaux de rareté et tout ça. Bah, comme dans les MMO, donc celui-là, il est atypique, il est vert. Voilà, c'est pas top, mais c'est déjà pas mal. Non, je suis une fan de Batman, arrêtez. Non, je suis pas du tout Bad Girl. Ouais. Elle oublie ses lunettes, j'allais dire, parce que oui, c'est ses oreilles, ses lunettes, c'est relié, mais bon, voilà, elle oublie ses oreilles. Non, c'est pas moi. Ah, quel saut vous êtes. En capacité, ouais, mais moi, j'aimerais changer de putain de personnage. Comment on fait? Vraiment, on peut pas? Ils l'ont pas dit, on est d'accord, hein.
Alors là, il y a l'ordi. Le chaos a éclaté à l'université de Gotham lorsqu'un... Attends, peut-être ici, du coup. Ah ! La police a procédé à de nombreuses arrestations après que l'incendie a ravagé... Bah voilà ! D'accord, en fait, tout ce que j'ai dans le menu, il est accessible depuis ici, j'ai l'impression. On a vu qu'il y avait un atelier, il y a la sélection, une petite cuisine, ils sont bien, hein. Garde, ils mangent équilibré, ils ont des pommes. L'entraînement, ouais, évidemment. Personnalisation du Bat Cycle, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai eu un code, moi, que j'ai pu utiliser encore, j'ai plus eu le temps, mais... pour avoir un nouveau skin avec le Bat Cycle. Intercepteur. Alors là, c'est que les couleurs, en fait. Mais j'ai pas débloqué. Putain, il y a plein de trucs, en vrai, hein, c'est cool. Ouais, alors là, j'ai rien. Ah, j'aime bien quand les jeux me permettent de faire ça. Genre de tout custom à volonté. Pas grand chose, mais ça me... Je sais pas, je suis facilement impressionnable, je pense. Hein. Oh, c'est quoi ça? Une borne. Je peux jouer? Commencer la partie. C'est le hub, c'est un hub. Ah, avance. Ah. Ah, d'accord, ok. Vas-y. D'accord. Écoutez, ça doit bien passer le temps, hein. Je pense qu'on est dans un univers où, où la PS5 n'existe pas. Ils ont du matos haut de gamme. Oh, Black Canary. Mais par contre, voilà, il joue à des jeux claqués sur des bornes claquées. Avec des musiques de merde un peu reprises. Bon, d'accord, ok, on va changer de personnage. Je sais pas, je testerai bien Nightwing là. Ah putain, mais allez. Où est-ce que j'ai vu ça déjà? Allez. Alors, Dick. Puissance 26. Ah ouais, ils ont tous un niveau de puissance différent. J'ai pas vu ça tout à l'heure. 26. Et lui, 152. 26, non. Non, non. Pour l'instant, ils sont à égalité. Allez, on essaie. Et on va se casser. Ouais! Ok. Je peux partir? Terminer l'entraînement à l'interrogatoire? L'entraînement à l'interrogatoire? Non, mais c'est bon, j'ai vu comment ça se passait. Hein. J'ai vu un James Bond déjà. Entraînement avancé, basique. Frappe synchronisée. Entraînez-vous à attaquer au bon moment pour maîtriser les frappes synchronisées. J'ai pas envie de faire ça là, j'ai envie de me dépêcher en vrai. Interrogatoire, là c'est bon. Bah quoi, tu prends un gars, tu... Oh, on dirige Batman? La préparation du physique et du mental vont de pair. Non, ici, d'accord, c'est lui notre maître. Pour préparer le corps. Mais il faut c'est stylé se concentrer. Oublie tes doutes et focalise-toi sur ma voix. Une dick pic. Tu veux que je te prenne un screen? Ce sera un dick pic, hein. Oui, on va les prendre par derrière et on va les interroger. Ça m'a pas l'air très compliqué. Viser pour scanner des ennemis avec les rats et je dois identifier l'indic. Ça, c'est un ennemi classique. Ça a l'air d'être un indic. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai que lui, il a deux bâtons, là. Ah, c'est ça, prise. Tout à l'heure, on m'a proposé le prise avec un flic et je me demandais ce que c'était. Interrogé. Donne-moi un indice. Ah ! C'est bon, t'as gagné la partie. Voilà ce que je sais. Merci. D'accord. Vous pouvez saisir les ennemis pris par surprise, étourdis à la santé basse ou parfois quand ils sont renversés. Hein?
C'était quoi ça? Et la prise. Ouais. Et si je lâche? Allez, fais rien. D'accord. Interroger. Tu vas tout dire à Nightwing, hein? Hé, hey, relax. Voilà ce que je sais. Merci pour l'info. Merci pour les volontaires qui ont été d'accord pour cet entraînement. Vous pouvez revenir à votre trottoir, madame. Continuez l'entraînement, réussissez à quitter la zone d'entraînement. D'accord, bon, voilà, ok, j'ai compris. Ah, multijoueur coop. Non, bah les couilles. Vous pouvez maintenant jouer en coop avec d'autres joueurs. En vrai, hein, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais je sais pas si je vois l'intérêt de jouer en coop sur, par exemple, la mission qu'on vient de faire. Je vois pas ce que ça apporte d'être à deux. Mais ça doit être quand même cool. Quitter le beffroi et patrouiller. Ok. Oh, Alfred. Après avoir saisi un ennemi avec R2, donc la prise, je peux le projeter. C'est très différent des RK, mais ça m'a pas l'air mauvais non plus hein, au niveau du gameplay. Putain, c'est vraiment pas mal, hein. Là, c'est beau, quoi. Regardez l'écran. Ok, ouvrir l'écran des activités. La dernière affaire de Batman, donc ça c'est quoi? Didacticien, crime prémédité. Devenez le chevalier dont Gotham City a besoin, terminer l'entraînement au coup synchronisé. D'accord, là il y a plusieurs choses à faire pour terminer cette mission, donc ça m'intéresse pas. Les parias, donc ça c'est des petites quêtes. Il y a marqué où? Il n'y a pas marqué à combien de... Ah si, 321 mètres... Et là, il n'y a pas marqué. Ah si, 825. Donc, alerte à la bombe. Capacité d'élan. Objet à collectionner. Récupérer des batarangs. Il y a 60 batarangs à récupérer un peu partout. Centre-ville. D'accord, il y a des batarangs. Il y a plein de batarangs partout, en fait, à récupérer. Il va bien y en avoir une centaine. Ça va me casser les couilles, ça. D'accord, et donc, bah, paria, celui à 321 mètres, comment je fais pour le sélectionner? C'est bon? Non. C'est bon? Il est sélectionné, là, ou pas? Ouais, c'est bon. Mais l'icône, elle s'affiche... Elle s'affiche plus après, d'accord. Ah, la voltige, quoi. On revient vers le commissariat, vous êtes sûr? Ah oui, il y a des trucs là. C'est quoi ça? C'est une prise d'otage? Ouais, une prise d'otage. Victime attachée à une bombe. Avec moi, ils vont sauter, les pauvres. Alors. Nope. Il y a un graffiti, c'est nope. C'est par là que je vais. C'est quoi celui-là, là? Ah, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a des icônes partout, mais je sais pas à quoi elle se rattache. Je peux courir? Ouais, je peux courir. Porte. Mais je peux pas rentrer là-dedans, là, si? Là? Il n'y a pas un moment où il me cible une porte ou je sais pas quoi, parce que là c'est un peu compliqué quand même. Ah putain, bah voilà. Ok.
J'imagine que là, je vais devoir rester discret, sinon il faut sauter les bombes. On va essayer, hein. Alors, comment il se débrouille, Dick ? Illumination silencieuse. Est-ce que je peux désamorcer ? Ouais, désamorcer la bombe. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, faut bien ne pas être à la vue des ennemis. Ok, c'est un peu con d'avoir fait ça comme plan, par contre. Hein. Alors, je voudrais pas vous dire, hein, mais je veux pas critiquer votre travail. Là, il y a lui là-bas. Est-ce que si je l'attaque, celui-là, il va se rendre compte ou pas ? Normalement, c'est censé être une illumination discrète. Il me tourne le dos. Ah, mais il ne tourne pas toujours le dos, en fait. Ce qui est dommage, c'est que, pour l'instant, en tout cas, je peux plus les suspendre comme faisait Batman dans les Arkham. Là, il y a, oui, il y a deux gars qui patrouillent. Et il y en a un autre avec une bombe au milieu, là-bas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a un qui a l'air de se déplacer un peu. Alors, hop. Oh merde! Ah, par contre, c'est des taupes, hein. C'est des vraies taupes. Il m'a pas vu, j'étais à 5 mètres, hein. Il y a des gros problèmes de vue là. Bon. Alors, désamorcer. Vas-y. Merde, je suis planté. Ta gueule, toi. Ok. C'est bon, lui c'est désamorcé. Je vous embêterai pas, fais vite, mais t'as intérêt. Là, il y a deux mecs. Il y en a un qui est contre un mur en train de faire je sais pas quoi. Et. Lui. C'est quoi ça? Système de haut-parleurs. Intéressant. Les ennemis proches enquêteront si la musique s'arrête. Est-ce que genre je peux? Oh putain merde, il m'a vu? Merde! Il a vu. Ok. Il parle d'arrêter les haut-parleurs, mais j'arrive pas à comprendre comment. Je peux pas faire une attaque à distance, en tout cas. Là, je peux pas. Peut-être que lui, il peut pas faire ça, Nightwing. J'ai quoi d'autre, d'ailleurs, là, à ma disposition? Il y a des barils cryogéniques. L'explosion touche toute personne dans la zone. Là, il y a un panneau électrique. Nightwing peut disposer des fléchettes sur le panneau pour créer un piège. Attends, mais comment je fais? Ah oui, si. Je sais pas. Ah mais ouais, d'accord, attends. Les haut-parleurs, c'est ça? Oh, ça doit pas bien marcher, là, maintenant. Moi, j'entends toujours de la musique, hein. Tu déconnes, j'ai deux, trois idées. Ça, c'est les haut-parleurs. Ah là, ça a marché. Il va aller voir. Et pareil, j'imagine que ça. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc on peut quand même se la jouer un peu strat. On peut les attirer où on veut, on peut leur tendre des pièges, etc. Arrête de bouger, toi! Oups! Putain, j'ai fait quoi là? Ah, d'accord, lui c'est son attaque à distance, c'est ça en fait. Ouais, quand on joue pas Batman, on peut faire moins de trucs, ça me semble logique en même temps. C'est un peu des newbies à côté du maître, quoi. C'est bon, j'ai terminé la mission, là, non? Pourquoi ça clignote encore? Ah! C'est une chance que vous ayez été là. J'ai une carte, madame, vous inquiétez pas. Donc, en fait,
Là, c'est secondaire. Des petites missions secondaires comme ça. Ça va, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de visiter un appart. Enfin, un appartement, j'allais dire. Tout va bien. Ça permet de visiter. Oh putain de sa mère! J'avais pas vu, ça permet de visiter des lieux. Ah mais les mecs ils arrivent et tout, ils me laissent aucune chance quoi. Ah d'accord, ils sont rentrés par là. Je suis arrivé par là moi. Bon, je ferais mieux d'aller voir. Nightwing en visuel. Nightwing au visuel, non mais, mais foutez-moi la paix bordel, je sais pas où aller. Je suis rentré par où moi déjà? Arrête de résister. Arrête de résister, mais je fais rien. Mais c'est ridicule. Attends, il y avait un autre... Ah, il y avait un autre accès ici, putain. C'est bon. C'est cool, le GCPD, là. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mission intéressante? Alors, Langstrom a été assassiné. Peu importe ce qu'en dit la police, allez voir si quelqu'un en ville... C'est ce qui a pu se passer. Interroger les parias pour récolter plus d'informations. Et la mafia. Ce qui est marrant, c'est que je peux pas sélectionner une mission en fait. Je peux pas. Si je veux faire celle-ci, je peux pas la sélectionner particulièrement. Et pour que ça n'affiche qu'elle. Ce qui est curieux. Bon, il me faut des parias et des membres de la mafia. Apparemment, les parias, il y en a partout. Ça va pas être compliqué à trouver, ça. Alors, j'aurais pu éventuellement interroger un des gars que je viens de neutraliser, là, mais bon. Je vais pas regarder la mission encore. Le fait que tu puisses pas voler, ça enlève vraiment quelque chose. Ça, c'était quand même un peu grisant, quoi. Ouais, mais des parias. Des parias. Attends. Ouais. Bah, les parias, il y en a là. Donc, alors, attends. J'ai juste à suivre. Voilà. Paria. Suivre. Ah, celle-ci, je peux la suivre, par contre. Mais je peux pas suivre celle-ci. C'est bizarre. Bon, là, du coup... Ah, c'est bon. Ok, celle-ci, je peux la suivre. Mais pas la mission principale, certainement, parce que... En fait, c'est n'importe quel paria et n'importe quel membre de la mafia. Donc, ils vont pas t'indiquer un objectif précis. Enfin, un lieu précis. J'aime bien, pour l'instant. C'est enfin, le Niller a l'air plutôt cool. Oh, non. Oh, mais c'est de l'autre côté, là. Ah putain, mais c'est le pont de ces morts. Ce pont de merde là ça là, ce pont de merde qui est là, qui met 10 ans à parcourir. The Nightwing. The Nightwing, bonjour. Ah oui, d'accord. Là, du coup, le tracé là qu'on voit, il va forcément m'indiquer la quête que j'aurais sélectionnée. Donc, ouais, ok. D'accord. C'est bon à savoir. En plus, c'est bon, c'est assez simple de sélectionner une mission. Elles sont toutes regroupées ensemble. T'as juste une touche. Ça me plaît bien. Il doit y avoir plein de missions, je pense. Juste un truc qui me fait un peu peur, c'est pour l'instant, c'est de trouver tous les batarangs là. Parce que moi, je le sais, hein. J'aurais besoin de faire le platine de ce jeu et ça me saoulait. Alors, est-ce que je peux faire comme ça, là? Bim. Ok, parfait. Et hop. Il y aurait des criminels
C'est bon, je les ai. Donc là, il faut que j'en interroge un. Il y en a un là. Détenu de Blackgate. Incendiaire des parias. Et il y a d'autres gars là-bas. Là. Oh, il y en a un qui est près d'un bidon. Alors lui. Toi, mon petit copain. Est-ce qu'il y a un truc vers quoi je peux les amener? Là, il y a un truc, quoi. Il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a des systèmes de haut-parleurs. Un autographe. Ah, je sais pas, ils ont dit ça. Ils m'ont demandé un autographe. Ça va, ça fait plaisir. Tous les gens ne me détestent pas. Et là, c'est quoi ce truc panneau électrique. Ah, un piège explosif. Oh, ça m'intéresse. Ils sont deux, là. Ils sont deux. Il y a un truc qui se crame. Genre, mais le mec qui était à côté, il a rien eu. C'est quoi cette merde? Ah, mais c'est les accidents électriques, des fois, ça arrive. Hein. Il est en feu, lui. Ils sont un peu paniqués, tous. Putain, je peux pas... pas changer de main ou je sais pas quoi là. Parce que là ça me gêne comment il est. Est-ce que si je t'interroge toi, j'aimerais bien l'interroger lui là. C'est un paria ça, non? Ça là c'est quoi? Je sais pas. Ça c'est un détenu Blackgate, c'est pas un paria du coup aussi, enfin je sais pas en fait. Lui il est un peu tout seul de son côté là. Les ennemis sont vraiment cons par contre. Alors, toi là-bas, voilà, lui là. Lui s'isole un peu. Je vais me faire passer pour une conne. Voilà, c'est bon. Frapper, lancer. Vous êtes sérieux? Vous m'avez pas vu? Ils m'ont vu. Ils ont juste. Ah putain! Ils ont juste entendu le bruit que ça a fait quand j'ai... quand j'ai fracassé leur pote. Et là, ok, là ils m'ont pris en chasse. Ah, j'ai pas pu... j'ai pas pu l'interroger en fait. J'ai pu l'apprendre. Pas l'interroger. C'était peut-être pas le bon. Il y a peut-être un endroit où je dois le faire. Pas trop. Ils sont cons les méchants. Ah oui, c'est un peu con. En même temps, c'est des méchants dans Batman. Hein. Voilà, tu leur demandes pas grand chose. Hein. Ouvrez grand les yeux. Y a quelqu'un dans le coin. Oh, stylé! La petite attaque. Ah, tiens, je peux analyser sa batte. Pourquoi il y a des. D'accord, c'est son expérience en fait, c'est des mini-loops. Bizarre ça par contre. Ça sera pas aussi facile le protocole. Il faudra pas que j'oublie le coffre aussi là-bas. Alors, lequel je peux interroger là? C'est quel le mieux? Il y a un détenu de Blackgate, il y a un incendiaire des parias. Bah, lui c'est véritablement un paria quoi! Il est marqué dessus.
Et là-bas, détenu de Black Gate. Il m'a vu, forcément il m'a vu. Bon, on y va, hein. On y va. Ouais, il y a l'incendiaire qui s'en prend à moi. Alors, toi, bah tu m'intéresses. Oh, j'ai gagné un niveau. Oh putain, mais ils sont nombreux en fait. Scène de combat, par contre, il est un peu relou, quoi. Bah, juste, t'esquives et tu maintiens si tu veux donner un coup lourd, voilà. Sinon, tu spams. Je trouvais plus satisfaisant, notamment l'arcade. Hein. Désolé, je le répète souvent, mais pour moi, c'est ma référence, quoi. C'était la valeur étalon. Ok, donc toi. Non, mais non. Mais non, je voulais l'interroger, sa mère. Il y en a un dedans là encore ou pas? Il y a lui là. C'est un méchant lui ou pas? Un méchant. Frappé. Ah bah ouais, je peux pas les interroger, je sais pas pourquoi. Crime résolu, tu parles. Tu parles. Crime résolu. Ouais, ouais. Puis avant, oui, tu frappes, tu craquais des bras et des jambes. Vraiment, il avait des prises un peu cruelles, Batman. Ah ouais, mais là, c'est quoi ce truc? C'est quoi, là? Ah merde, putain, j'ai oublié le coffre. Là, pour l'instant, au niveau du combat, moi, ouais, c'est pas aussi intéressant à jouer. Ça a l'air un peu redondant, quand même, au niveau du gameplay pour les combats. Alors, 90 mètres... Là, il y a un truc là-bas. Voilà, on va aller voir là-bas. À 296 mètres, il y a un crime ou je sais pas quoi. Ah, tiens. C'est quoi ça? Ah, ils sont en train d'agresser un mec. Un bagarreur des parias. Quelle sourasse. Et l'incendiaire. Bon, l'incendiaire. Ah, je peux l'interroger celui-là. Est-ce que je peux l'interroger lui là? Voilà, interrogé. Mec. Ton copain, le docteur Langstrom, vient d'être... Oh, trop bien, mais ça c'est cool. Qu'est-ce par contre. Tu sais, je savais pas que ce salaud était mort. Il nous a filé du fric pour nous injecter un truc. C'est sûr que c'est pas un vol ou un truc comme ça. C'est ce que je voulais savoir. D'accord, donc là maintenant il faudrait un membre de la mafia. C'est ça qu'ils ont dit, hein. Quoi ça? Héritage Sai. Nouvelle entrée dans la base de données. Peinture Giverny. Quoi? Sud de Gotham. C'est quoi? Base de données. L'entreprise Peinture Giverny s'est établie à Gotham City au début des années 30. Ah d'accord, c'est des références en fait, c'est ça? C'est des références que j'ai trouvées un peu partout? Ah ouais, les monuments de Gotham. Ok. C'est un musée en fait ce jeu. C'est intéressant en vrai. C'est ça, hein. Mais voilà, interroger la mafia. J'ai le défi. Mais ils te disent pas où elles sont. Alors peut-être qu'il y a un coin précis pour trouver la mafia.
Ah, dans le West End. Dans le coin nord-ouest, en fait, de la carte. C'est normal que du coup, je les trouve pas. Putain, comment j'affiche la carte? Ah, je maintiens, d'accord, carte. Donc le West End. Je peux pas dézoomer. Time City, ce serait plutôt par là, c'est ça? Ce quartier financier, ouais, ça a pas l'air, hein. West End, c'est celui-là. Ah, il faut retraverser le pont, nique sa mère. Ok. Attends. Est-ce que je peux mettre un marqueur? C'est possible, ça, quand même. Quartier financier. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, voilà. Ah, c'est pas trop mal, tout ça. C'est pas vraiment pas mal du tout. Ah ouais, c'est bien, foutez-moi la paix. Ah merde. Je suis en train d'intervenir sur une scène de crime alors que j'ai pas envie. Hein. Oups. Je crois que je viens de renverser juste un citoyen classique. Hein. Probablement un gars qui avait réussi à échapper au paria. Et qui vient de se faire rouler dessus, là, maintenant. Bien triste, cette histoire, bien triste. C'est un héros, il laisse les gens tranquilles. Ah, c'est comme dans les quartiers sensibles, tu vois. On dit, il faut pas trop qu'il y ait une présence policière. Sinon, quelque part, ils mettent de l'huile sur le feu. Bah, moi, c'est un peu pareil. Je peux pas trop intervenir. Et sinon, on va dire que c'est à cause de moi que ces gens se tournent... dans le crime, tu vois. Donc il faut aussi lâcher un peu de lest. Faut les laisser faire leur activité. C'est quoi ce club là? Qu'est-ce qu'il fait ce... Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi, gros kéké? Bah ça, vous allez pas me dire qu'il y a pas un monument, non? Non, c'est pas un truc important de Gotham, ça? Ah, ça a pas l'air le pire. Elle est où la moto? Putain, la moto elle reste pas longtemps, hein. Non, tu veux pas. Je veux voir si elle vient vers moi automatiquement. Ah non, je veux pas. Il y a l'icône qui grossit en mode non, tu viens par là. Hein. Ah, ça y est. Finalement. Je vais me soigner un petit coup aussi. Je sais pas comment on récupère les soins, j'ai pas fait gaffe à ça. Alors, tout à l'heure on me disait ouais, la sensation de vitesse elle est pas top. Bon ça va. Hein. Ouais, tu sens que tu contrôles un truc un peu lourd quoi. C'est un tank pour deux roues. Alors voilà, les parias ils sont logiquement dans le coin. Genre pas les parias, la mafia. Ça là, c'est la mafia ou pas? Putain, mais comme je suis en moto, par contre, je vois pas, c'est ça? Bonjour. Ah, la mafia. Là, je vais pouvoir intervenir. Ça fait un marché. Génial. Merci beaucoup. Non. Se casse. Hey. Ah non, c'est bon. Ah, il veut pas, hein. C'est bon. Ah mais lui, je veux pas. C'est pas un mec de la mafia? Attends, mais t'es quoi? Bagarreur de la mafia. Mais bien sûr que c'est un mec de la mafia. Je vais devoir en retrouver un autre.
Le mien, il est cassé. La victime, par contre, elle s'est barrée sans demander son reste. Il y en a d'autres là-bas. Donc, ok. Dès qu'il y a une scène de crime, c'est cette petite icône en forme de triangle là qui s'affiche. Et c'est par là en fait, c'est au-dessus. Ah, en vrai, je trouve que ça a de la gueule hein, tout ça. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu laborieux de me déplacer, mais bon. Je veux dire, je suis Nightwing, putain, et je suis là en train de courir sur le trottoir. c'est pas très super-héros, tout ça. Alors, c'est là ? C'est quoi, ça ? Non, ça, c'est un citoyen. Ça m'a l'air d'être plutôt par là. ...308... ...415... Ah non, mais là, c'est des flics. Gotham Gazette. Ah, au-dessus, là. C'est là ? Non. Putain, c'est pas vrai. Y'a pas un coffre ou je sais pas quoi par ici là, non ? Ça a pas l'air. Qui ? De quoi ? Tu auras-tu juste ici et si oui, lequel ? Je suis juste essayé dans la ville ou celui de minuit. Putain, non, j'ai pas la ref. Ouais, tu veux demander de l'argent en passant pour prendre le bus. Ah, mais non, mais c'est le clochard des super-héros. Hein. Je vais faire la quête, s'il vous plaît. Ah, mon costume, il a l'air cher, mais en fait, non. Hein. C'est que du lycra. Ah, il y a un truc là. C'est quoi ça? Une victime décédée? Ah, les enfoirés. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est peut-être un des gars que j'ai pas aidé tout à l'heure. Hein. Alors lui, il est déjà mort, je pourrais pas faire grand-chose pour lui. Examen d'une scène de crime. Alors là, lui, manifestement, il est mort. C'est un médecin. C'est peut-être quelqu'un qui bossait dans le bâtiment. Il y a des allumettes à côté ? Bah, je vois rien d'autre. Ils m'ont dit quoi pour Attends. Ah, enquêter, désolé, il fallait appuyer sur enquêter. D'accord, et comme ça je me mets en mode enquête. Alors, il y a un sac à dos. À part des vêtements de rechange et un badge médical, ce sac à dos contient le dossier médical d'un associé de la mafia basé vers Bowery. C'est son infirmière. Ah, le côté enquête me plaît bien par contre. Cette boîte d'allumettes est vide. Sur l'emballage, on voit un pan à l'air solitaire. Le sang de la victime. Ouais. J'aurais pu le découvrir tout seul. Hein. Un pistolet paralysant. Elle a essayé de se défendre. Et un fusil. Il ne semble pas avoir été utilisé. Mais quelle est l'arme du crime alors ? La victime l'a bien fait essayer de surdigérer des informations sensibles à cette soignante avant de la laisser mourir. Fils de pute. Alors, le sac à dos, je peux le relier à un truc.
Ses empreintes sont sur la poignée de la victime. Ouais. Donc c'est le sien. L'arme du crime, je l'ai pas. Une boîte d'allumettes est vide. Un pan en l'air solitaire. Et pour la rêve, je parlais des films de Charles Bronson. Mais tu m'étonnes qu'on pouvait pas trouver. Mais Charles Bronson, OMG. L'homme qui portait si bien la moustache. Je vois pas quoi faire, là. Hein. Alors, ouais. Bah, je sais pas, je vais essayer des trucs au hasard. Allez, genre, ça et ça. Oui, c'est ça. Je l'ai. D'accord, il fallait relier le pistolet paralysant et le sac à dos. Ça a l'air un peu à chier des fois les énigmes d'enquête, hein. Mais il n'y a plus de crime là ? Quoi, j'ai pas fini ? Je dois faire un truc encore, je sais pas. Bah elle est morte. Et l'enquêteur, il est là, il fait... Bah, elle est morte. Bravo. Ah, là-bas, il y en a encore. Il y a du crime partout ici. Hein. Tu fais deux pas, regarde. T'as les citoyens qui sont là, avec leur chapeau moche. Et juste là, bah, pas loin. T'as des gens armés qui font des trucs. Et qui sont vite fait quand même un petit peu aveugles. Hein. Attends, je vois. Bah, fier. Rien, hein, rien du tout. Lui là, il est peut-être. Lui, il est. Je sais pas, lui là. Lui, il est une icône supplémentaire, non? Je sais pas, c'est. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire que lui, je peux l'interroger? Que lui, il a le, c'est lui qui a le petit triangle sur lui. C'est le niveau 4. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Allez, parfait là tout ça. Allez, tu vas pareil. Oui, 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 oui. Voilà. Bon, et lui, est-ce que je peux l'interroger là? Alors. Voilà, alors. Oui, je peux! Je sais que tu faisais affaire avec Kirk Langstrom. Qui voulait sa peau? On n'avait aucune raison de le tuer, encore moins de le clouer au mur. Il nous payait bien pour participer à ses essais cliniques. Mais tu dis rien à ma chef, sinon elle va me buter. Ah ben. C'est pas ta chef qui va t'en charger, meuf, c'est moi. Ah, ça y est, ils m'ont grillé. Ah, mais c'est relevé. Ah, c'est pas relevé longtemps. On pourrait lui parler en attendant. Je te file les coordonnées. Parfait. Merci. Putain, mais les attaques à distance, en fait, je pense que c'est juste fait pour éviter que eux ils te blessent trop avec leur flingue. Allez, les mitraillettes, là, c'est quand même un peu casse-couille. Hein. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon au moins. Attends, il y a peut-être un coffre. Oh, comment il est mort, lui. Oh, il est mort sur son copain. Incendiaire, le parrain. Voilà, il y avait un coffre. C'est bon, je suis tombé sur le parrain. Du coup, ça veut dire que maintenant, je peux progresser. Parler à Talia al Ghul. Voilà, je peux. Elle est à 1800, la connasse. Putain. Donc, allez, moto. On va faire ça, je sais, ça va être un peu long cette partie, mais tant pis. J'ai mis du temps avant de le trouver, le mec de la mafia, quand même. Bon, je sais pas trop pourquoi lui, je pouvais l'interroger. Je sais pas, peut-être parce que c'était leur chef, c'était le plus gradé, et c'était lui qui avait la petite icône en forme de triangle. Peut-être qu'il y en a qu'un par groupe qu'on peut interroger à chaque fois, et que moi, à chaque fois, je pétais la gueule à l'alpha. Du coup, est-ce que je peux... Si je me mets comme ça, je peux aller sur les voitures ou pas? J'ai l'impression, hein, je peux monter sur n'importe quoi. Alors, regardez la bagnole en face. Ouh,
Ah ouais, non mais si, c'est cool en vrai. Que si je le fais pas, je rentre dedans quoi. Regardez lui là. Voilà. Ouais, t'es un peu moins rapide. Et ça fait un peu kick-coup de quartier, tu vois. Regardez. T'as les mecs qui font ça sur leur scooter là. Ah ben. Ouais. Il y a une limite. Voilà. On peut pas grimper sur les camionnettes. Il va falloir une amélioration du scooter pour ça. Du bas de scooter. Un bon courage avec les gangs. Et heureusement qu'il y a les. Il y a quand même les citoyens, hein, parce que si je devais compter que sur les flics, je me ferais juste péter la gueule. Quand même les citoyens qui m'aiment bien. Ça va. Tout n'est pas perdu. Donc, alors, Talia, elle est par là. J'aime bien les badauds qui se baladent. Hey, c'est Nakung. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, c'est vrai. Allez, hop. Ah, ces petites actions là combinées, c'est pas mal. Je suis presque sur Talia. J'ai comme Batman en pas. Alors Talia, moi je trouve qu'elle ressemble un peu à Bayek de Assassin's Creed Origins. Je ne suis pas leur chef. Ils m'ont congédié. J'ai du mal à croire que le pouvoir n'est pas héréditaire dans la Ligue. Et même pas monté en grade après avoir tué Ra's al Ghul. Mon père insistait pour que Bruce soit le prochain chef de la Ligue, et ce, malgré son refus. Depuis ce maudit duel, la Ligue n'a pour seul but que de mener à bien la mission de Ra's al Ghul. Pourquoi Ra's al Ghul tuerait son héritier? C'est complètement absurde. Je suis bien d'accord, c'était irrationnel. Je l'avais pourtant prévenu que Batman causerait sa perte. Mais une exposition répétée à des puits de Lazare détruit peu à peu l'esprit d'une personne. Cela finit même par anéantir son âme. Je te connais, Talia. Tu aurais utilisé ton père comme une marionnette si tu l'avais voulu. T'as autre chose en tête. C'était pourtant le choix logique. Une fin indolore pour lui, un nouveau chapitre pour la Ligue. Et pour moi. Maintenant, ils veulent me tuer. Pourquoi tu tournes pas la page? Bah, en vacances à Hawaï. Quitte Gotham. J'ai d'autres affaires à régler. L'enterrement était de bon goût. Bruce l'aurait sûrement apprécié. Laisse-le où il est. T'as pas répondu à ma question. Non. Mais je vais t'en poser une. Pourquoi une recrue masquée s'introduirait dans la morgue? Je sais que tu ne me suivais pas. On va dire que c'est pour une enquête en cours. En cours? Une enquête de Bruce? Je te souhaite bien de la chance. Tu en auras bientôt besoin. Parce que lorsque la Ligue reprendra pied, elle s'en prendra à Gotham. Eh bah tout ça pour ça. Mais du coup, on tournait au beffroi. On sait aussi que tu n'as pas parlé de Langstrom. Je voulais pas lui donner de piste. T'as bien fait. On connaît pas encore très bien ses intentions. Quelle heure? Ouais, bon, je vais m'arrêter, hein, parce que ça fait vachement longtemps que j'ai commencé quand même. Je sais pas si j'arrive à être convaincu en fait. C'est très intéressant. Et le mot est faible. Harley ? Il a l'air imparfait. En fait, il me rappelle beaucoup. Je l'ai dit. Le jeu Batman, dans l'univers Batman du même studio, qui était Batman Origins, Arkham Origins, qui était séduisant comme ça, vraiment. Quand il jouait.
quand il jouait 10 minutes, elle a l'impression de revoir un vrai bon Batman Arkham. Mais en fait, tu te rendais vite compte que bon, bah, il n'était pas très ambitieux en réalité, tout ça. Que c'était un petit peu. Il avait été un petit peu basé sur tout ce qu'avait fait le Rocksteady sur les épisodes principaux. Et là, j'ai l'impression de voir un petit peu ça. Mais il y a des trucs qui ont l'air cool. Hein. J'aime bien voir les quatre personnages. J'ai vraiment l'air d'avoir du taf pour que les quatre soient bien intégrés. Celui que tu sélectionnes soit bien intégré dans la mission que tu fais. On a vu, il y avait des petites cutscenes avec Batgirl, alors que ça aurait pu être n'importe quel autre personnage, quoi. Non, c'est cool. Au niveau du gameplay, bon, bah, faut voir, ça va évoluer. La touche qui est peut-être présente, hein. Voilà, c'est-à-dire là où j'en suis, la touche pour parer les attaques ennemies qui m'arrivent dans le dos et contre-attaquer me manque quand même un petit peu. Là, pour l'instant, j'ai juste une vieille esquive qui fait le taf, mais bon, voilà. Il y avait l'esquive dans les Batman Arkham d'ailleurs, qui permettait de passer par-dessus les ennemis d'ailleurs, qui était plutôt cool. Et puis, je sais pas. Pour l'instant, dans les petits donjons que j'ai visités, bon bah, il y a plus de l'infiltration en même temps, donc c'était peut-être pas le plus intéressant à faire. C'est vrai que Batman a été des fois un peu découpé d'une façon particulière. Hein. On se souvient dans Batman, t'avais des grandes pièces avec des gargouilles partout et des zones d'ombre, des pièges. Et tu devais jouer un petit peu avec ça. J'ai pas retrouvé totalement ça là ici. Et c'est peut-être ça. Mais il faut peut-être pas le comparer à Batman non plus. Mais en tout cas, ça m'a pas l'air mauvais. Est-ce que c'est très bon? Je crois pas non plus. Mais ça a l'air d'être un jeu plutôt agréable en tout cas. Voilà. Bon. Je sais pas si ça vous aura fait passer un bon moment en tout cas. Voilà. Bon. C'était les premières heures sur Batman. Sur Gotham Knights. Même moi, je me trompe du coup. Et des bisous, puis à bientôt.